Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Delphine Boel, la nouvelle princesse belge. Alors là, c'est une première dans la royauté, une princesse qui a reçu son titre après être née hors mariage et elle est officiellement reconnue par la royauté puisque son demi-frère, le prince Philippe, âgé de 60 ans, a décidé de la reconnaître et de l'accueillir au château. Donc ça s'est passé hier à Leken, au château de Leken en Belgique. Le prince a reçu sa demi-sœur et il a publié sur Twitter et la page officielle du compte de la maison royale belge un communiqué dans lequel il dit qu'il est fier d'accueillir chaudement sa demi-sœur dans la famille. Ça, c'est du jamais vu. On voit bien que les mœurs ont vraiment changé, que les choses ne sont plus comme avant. Une famille royale qui accueille aussi publiquement un membre né hors mariage, qui était considéré auparavant comme, on va dire, des bâtards, a été accueilli dans les rangs de la famille royale. Sincèrement, c'est beau à voir, hein, faut le dire. En même temps, il faut dire qu'elle s'est beaucoup battue. Elle s'est battue comme une lionne. Elle n'a pas lâché prise, elle n'a pas abandonné son combat. Et en fait, c'est comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est un espoir pour les autres enfants qui souhaitent être reconnus. Parce que si vous n'abandonnez pas, si vous avez le public pour vous et que vous êtes présente sur les réseaux sociaux, et si vraiment la conjoncture et la situation le permet, c'est-à-dire situation sociale, culturelle, économique dans le pays le permet, ben, vous serez reconnu par les personnes qui sont visées. Donc voilà, le peuple belge a été très heureux d'apprendre une telle chose. Ils ont félicité le prince Philippe en disant qu'il a fait preuve de maturité, fait preuve d'humanité, fait preuve de bravoure en tant que roi aussi, de pouvoir accepter ça et changer la tradition, une tradition souvent très injuste. Voilà, donc ça c'est pour nos amis belges, hein, pour ceux qui vivent en Belgique, pour ceux qui sont dans le monde, pour ceux qui sont fans de famille royale comme moi. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir le même message du prince Albert, le papa de Delphine, qui n'a toujours pas fait de communiqué par rapport à cela, mais c'est déjà un pas en avant d'avoir le roi belge lui-même faisant un communiqué en disant qu'il accueillit chaudement sa sœur dans la famille. En plus, le communiqué Philippe et Delphine, donc on n'a pas de titre là. C'est parfait, c'est merveilleux. Mais bon, ça fait du bien de voir ça. On espère que ça va donner le la à des familles royales qui vont pouvoir faire des efforts afin que certaines personnes, d'autres enfants, soient reconnus publiquement. Je parle peut-être du monsieur qui dit qu'il est l'enfant de Camilla et du prince Philippe, et d'autres enfants qui disent qu'ils sont apparentés au prince Philippe d'Angleterre. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.